ولا تسمعوا النظام، لا تسمعوا الناس خامجين كي يهضروا. لا، وشنو هيادي خارجية؟ شكون هيادي الخارجية اللي بعت لي كونطرا لفرنسا ولا اللي عايشين في الخارج؟ شكون هيادي الخارجية اللي حابين يحفروا لكم في الصحراء ويخرجوا الغاز دو شيست باه فرنسا تتعلم لا تكنولوجيا تاع الغاز دو شيست ولا دول اخرين ولا الناس اللي عايشين في الخارج؟ شكون هيادي الخارجية؟ التلفون نتاعكم اللي تلاقى مع وزير الخارجية نتاع كلاب كيما الامارات البارح كانوا يشربوا في بول البعير عشان درك دولة سيدي وتلاقاهم ويدبروا علينا بوليتيك. ما شكون هيادي الخارجية؟ هيادي الخارجية اللي باعوا كونترا وحطوا لارمي مع الخليج اون انترميديير بور فار لاندستري ميليتير. شكون هيادي الخارجية؟ لكن الشعب مازال ما لحقش الدرجة تاع الوعي يفهم شكون الايادي الخارجية وشكون الوطنيين. في الحالة هذه ما عندنا ما نقدروا نديروا، نقدروا نقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. Il y a une personne, M. Farid, qui vous dit j'aimerais aussi avoir votre avis sur le docteur Saïd Saadi. Saïd quoi? Saïd Saadi. Et on dit là, je ne reconnais aucun parti politique. Pour moi, tous, c'est des balances, c'est des corrompus, c'est des collabos. Vous dites que c'est Saïd Saadi. Vous voulez avoir votre avis? Je vous dis que c'est Nishali Amgar. C'est Nishali Balak, une nouvelle classe naissante de politiciens. Mais les politiciens qui ont composé avec le système, même ça, je l'ai dit plusieurs fois, dans le cadre du CRUA, on accepte tout le monde, mais moi, en tant que président du FAV, mais ces gens-là, moi, je ne suis même pas capable de faire. Alors, une question, on vous dit, M. Ahmadi, j'ai perdu tellement peur. Il y a eu même des agressions sur les citoyens. Parce qu'ils ne veulent pas que l'intérieur du pays bouge. ما يحبوش الولايات الداخلية تتحرك. باسكو هما على واش؟ الولايات الداخلية هي الولايات الأكثر فقر وأكثر أزمة في الجزائر. ما تقوليش تيارت كيما وهران. ما تقوليش تيارت كيما بلعباس المسان. ما تقوليش تيارت كيما ألجي. كي الناس هذه تتحرك أي تمد قوة أكثر لباقي الوطن. سي نورمال كي ريبريم. وكذلك الناس ما تسمعش، لكن مع الرسول الناس تسمع. دونك يفو التعبئة تزيد وتزيد 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 وتزيد. ديسي لو 22 يفو كونو فينيس مع هذا التفون الحركي هذا والخونة اللي معاه. كاين لي بوك ميساج اسيو كي ديس كو لو 22 يفو مارشي سور المرادية. كاين بوك ميساج اسيو. Moi je dis avant le 22 il faut avoir une direction politique. هاك رحت للمراضية واش معول يخرج تبون يعطيك المفاتيح يقول لك هاك لمن يمدهم؟ عندك ممثلين، عندك ديريكسيون، لمن تمدهم؟ الجيراني سفيان، زبيدة عسول، جاب الله عبد الله، المقري، لمن تمدهم؟ بو خمخم، لمن تمدهم؟ هادو كلهم ما يمثلوش الحراك، ما يمثلوش الشعب، ما يمثلوش الثورة، ما يمثلوش الجزائر الجديدة. هادو بكل افرازات نتاع النظام السابق المتلاشي. Monsieur Ahmadi, une question, pas une question, c'est un constat de Jamal Belaïd. Il vous dit, enfin bon, le, Monsieur Ahmadi, les politiciens ont abandonné le peuple. Ça fait longtemps qu'il a été abandonné le peuple. Non, mais d'abord, on n'a pas de politiciens, on a des politiciens. On n'a jamais eu de politiciens. On n'a que des politiciens. Alors, M. Rahmani, il faut chasser Tebboune et le système de sac à lait. On parle encore du sac de lait. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Il faut créer une direction politique. Une fois que le peuple se sera mis en accord sur une direction politique, ces gens-là, il y en a vraiment en deux secondes. M. Khalid Hassli vous dit mettre fin à toutes les relations avec l'extérieur jusqu'à ce que les exigences du mouvement soit satisfait. De toute façon, moi je vous rassure, si la révolution a réussi à récupérer le pouvoir au nom du peuple,
tous les contrats signés depuis Bouteflika seront caducs, nuls et non avenus. Tous les contrats seront sujets à révision. Là, il s'abat en prison. Quel est s'abat? Exécuté, si c'était Rahmani. Bon, après, s'il y a une autre direction, je ne sais pas. Mais si c'est le FAV, ils sont exécutés. Oui, de toute façon, pour des traîtres à la nation, c'est... Non, c'est l'exécution. Après ce qu'ils viennent de faire avec l'Imarat, avec la Turquie, c'est l'exécution. Oui. Enfin, vendre l'Algérie comme ça. Ouais. Alors, il y a une question de José Erefar de Doukaïd ou l'Aïsaba. Apparemment, l'Aïsaba a décidé de changer la constitution en se basant sur l'indépendance de la justice. Que pensez-vous de ça, M. Rahman? C'est un mensonge. L'indépendance de la justice ne peut pas être un article dans la constitution. Surtout dans leur constitution. Parce que déjà, la constitution a l'indépendance de la justice. On veut l'immuabilité des lois. L'immuabilité de l'indépendance de la justice. On veut des lois fixes et rigides. De cela, on pourra avoir des lois organiques qui définissent l'indépendance de la justice dans un cadre de loi immuable, inscrit dans la roche, dans la pierre et dans le cœur des gens. ماشي 200 article كتاب كامل لازم نقراه بين الفهم une vingtaine d'articles suffisent. Monsieur Lamir, si vous voulez, on a cherché votre question, on l'a pas trouvé parce qu'il dit merci de ne pas m'oublier. Si vous pouvez la répéter, on y répondra tout de suite, s'il vous plaît, Monsieur Lamir. Voilà. Entre temps, je vais juste, c'est une personne parce que je vais lire ce qu'il a écrit, Monsieur Lies. C'est, il nous confie, il nous dit « En Abed Amoudjahid, Ken, la Fédération de France, chef de Qasma et chef du secteur emprisonné politique en France, depuis où les Bledo mettent Fichalé aux Adout Daoulou Tarabou. Un d'un frère Shahid ou deux. » Voilà, donc effectivement. « Goulou Bebek Rabbi Arhmou » mais il ne faut pas que ça t'étonne parce que Bled, Bled, Tawra, Hakmouha Al-Harka. Hakmouha les pieds blancs. Je m'en voulais dire le Bebek. ولا يديروا الناس اللي ريالمون كانت في الثورة تو سامبلومون تهميش إلي ميت على ليكار إلي زيكراس وكيبوش با وكيراكونت با لا فيريتي